Il y a deux moments forts. C'est le retour de Gilbert Montagné que les producteurs vont aller convaincre aux États-Unis où il chante avec des Godspell. Et puis il y a le retour de Jeanne Masse. Et Jeanne Masse, dans les années 80, 84 à 86, ça a été ça, inoubliable, et ça n'a pas pris une ride. Jeanne Masse. Je réclame.
Eh bien, tu sais, je ne suis pas seulement fou de joie de te revoir, mais très ému. Merci. Car on en a des souvenirs ensemble avec François. Tu ne peux pas savoir, comme toute l'équipe est heureuse, parce que l'équipe de Vivement Dimanche, c'était déjà l'équipe de Champs-Élysées. Mais je les reconnais. Tu les as tous reconnus. Oui. Alors, ma je suis très ému aussi d'être ici. Quelle aventure. Merci. Oui. Ah, j'étais ému de te voir dans le film. Il y a deux, trois scènes magnifiques avec toi dans le film. Et la scène la plus touchante, c'est quand tu es loin, à l'étranger, on veut te convaincre de rejoindre la troupe et on te fait écouter par téléphone les clameurs du public. C'est une scène forte, ça. Oui, et je crois qu'il faut remercier Thomas Langman parce que c'est lui qui m'a convaincue de venir dans ce film en disant « c'est le public, il t'attend ». Donc voilà, et je suis encore très émue, mais c'est vrai que j'ai vécu une expérience formidable c'est vraiment un grand film. Et je suis très heureuse d'en faire partie. Il est drôle, le film. Il est émouvant, il est gai, il est optimiste. Très positif, tout à fait. Et on rit du début jusqu'à la fin. C'est que du bonheur. C'est 2 heures de bonheur. Il ne faut pas rater le bonheur. Alors, cette tournée, tu l'avais rejoint de temps en temps. Tu avais fait quelques dates avec eux. J'avais fait le Stade de France aussi. Et c'est pour ça que, bon, c'est un petit peu repris de cette émotion qu'il y a eu au Stade de France. Je ne peux pas tout révéler parce qu'il faut aller voir le film. J'avais fait ce Stade de France. Après, j'ai essayé quelques concerts, mais je suis repartie chez moi aux États-Unis. Alors, contrairement à la plupart de tes copains qui sont acteurs pour la première fois, toi, tu étais comédienne au départ. Oui, c'est vrai. Tu tournais en Italie. Oui, c'est vrai. On t'a demandé de reprendre ton métier, finalement. Hein. Oui, t'es dans ton rôle, mais t'es comédienne. Tu joues Jeanne Masse. Voilà, oui, bon, ça c'était difficile et pas très difficile. Mais en fait, ce qui était difficile, c'est de savoir, bon, je suis la Jeanne Masse des années 80 où j'ai évolué. En fait, bon, c'était le compromis qu'on essayait de trouver avec Frédéric, le réalisateur, qui voyait en moi l'actrice. Également, bon, qui devait faire du Jeanne Masse. Qu'est-ce que tu ressens quand tu ressens ces chansons qui sont dans le cœur de deux générations de Français? C'est des tubes incroyables. Elles étaient bien faites, ces chansons. Quand je chante, ça va, ça fait partie de moi, de ma vie, mais c'est quand je me revois où je me dis, oh, j'ai l'impression que c'est ma fille. Même si il ne faut pas toujours regarder derrière, c'est des belles années. C'est des années qui restent dans mon cœur. Je ne regarde jamais derrière parce que j'ai encore toute une vie devant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'était l'occasion, Jeanne, c'était l'occasion de retrouver tous ces artistes. Certains, tu ne les avais pas revus depuis 20 ans, non? Mais certains, je les connaissais à peine. À peine. Oui, voilà. Bon, je connais très bien François Feldman, Madère. Hernandez. Oui, Patrick Hernandez, que j'adore. Mais c'est vrai que les autres, je les ai rencontrés au fur et à mesure. Et puis, surtout dans le film, bon, on a pu se connaître un peu mieux, s'apprécier. On était très, très contente de te revoir. Merci. Moi, je suis très contente d'être ici. Merci. Et comme dirait Rulio, tu n'as pas changé. Merci. Jeanne Masse. Merci. Alors maintenant, encore.